coup, j'ai rien pu trouver à manger. La cuisine est complètement vide. Oh zut, j'ai oublié mon sac. Je t'ai pris ça. C'était... Merde, je sais même pas ce qui s'est passé, tout était flou. Comment tu te sens? Bien. Empathique, empathique. Tu tiens le coup, ça va? Je... Eh ben, je... Oh putain, ça se trouve, je la conséquence... Suis contente que on va arriver maintenant. Tu vas bien? Désolée, je te l'ai déjà demandé. Je... C'est rien. Ok, je crois qu'ils sont partis chercher une radio. Et c'est quoi ce... Ils en ont trouvé un autre dans le bureau de Monsieur H. C'est juste au cas où. Il s'est passé quoi avec les lampes? J'en sais rien. Ça va mieux? Je vais bien. Je crois. Attends, ils vont au local radio? La ligne est coupée, je crois qu'ils vont essayer d'envoyer un SOS. En attendant, on reste là. Je croyais que Dylan et Ryan étaient déjà sortis. Restez là, je vais voir. Non, c'est plus dedans. On lui dit de rester? Ouais. On sait pas ce qu'il y a dehors. C'est peut-être dangereux. Ouais, c'est pour ça que je vais aller voir. À côté, il faut fouiller. On y est prêt. Oui. Oh, du coup, ça se trouve, comme Jacob est mort, il y a des preuves qu'on va totalement rater. Et des cartes aussi. Sûrement. Quitte les lignes. Que des fusils à pompe dans le jeu, en fait. Bah, pour la chasse. Bah, utilise des fusils de chasse. Pas fusils à pompe. Je crois que pour un ours, tu me diras. Oui. T'imagines même pas le recul qu'il y a sur un fusil à pompe. Bah... c'est bientôt ça. Mais je parie qu'il est dans la cheminée. Bah... techniquement... si je suis à la logique, on a laissé un mot, le chasseur l'a vu et je chasserai là. Dans toute logique. Pourquoi il serait venu le chasseur? Chercher Nick, parce qu'il voulait l'embarquer. Bah tiens. Ah, oui. Donc faut se rappeler, pas tirer dessus. Pas tirer dessus. Pas tirer dessus. Ne touche aucun putain. Ça va grincer, il va se retourner. Oh, beau ce jeu. Je crois que c'est le jeu le plus beau que j'ai joué. En tout cas, maintenant. Mais les créateurs du jeu, ils aiment bien hein, faire des trucs très éloignés où il n'y a pas possible. Ah. Ouais, c'est sûr que... Non, je pense qu'il veut dire saigner du sens où... Ah! Comme avec Jacob. Oui, t'as raison. C'est... heureusement que t'es là. Ah, c'est... il y a tellement... Ça
mais le coup de retenir sa respiration. Il fallait encore attendre. Non, non, c'est fait. Il ne faut pas tirer. Merde. Pourquoi il parle pas, le con? Pourquoi il discute pas? On dirait qu'il va poursuivre comme s'il allait la violer, la pauvre. Tu sais, il parle en disant, attends, je suis là pour vous protéger. C'est... ça me paraît clair, non? C'est peut-être pas le moment idéal, je sais, mais je... Quoi? C'est juste que... Tu sais, je pensais au début de l'été, quand on s'est rencontrés, au début de la colo. Mais maintenant que l'été est fini, je me demande si c'est la dernière fois qu'on se verra. Désolé, Nick, qu'est-ce que tu disais? La foutre, la meuf. Ah oui, non, mais là, non, là, la fibrine, excuse-moi. Hey, je suis en train de me mettre à nu, là. Nick, je suis désolée. On peut parler de ça plus tard. Je flippe complètement, là. C'est pas le bon moment. Entrez. J'ai peut-être mal compris les signaux tout à l'heure, mais... j'ai eu l'impression qu'il allait se passer un truc. Et tu voulais qu'il se passe un truc entre nous ? T'es conne ou quoi ? Conne, oui. Hey. Désolé. Excuse-moi, j'ai la même ratio. Bien sûr que je voulais, mais je savais pas si toi aussi. J'ai l'impression que c'était il y a une éternité. Tu voulais qu'il se passe un truc ? Tu peux me le dire ? Ouais, je crois. Tu dis ça parce que je suis blessé. Nick. Mais qu'est-ce qui se passe avec Kathleen? Faut qu'on se cache. Faut qu'on se cache. C'est bon, ça va aller. Il était blessé au point qu'on avait orné sur une brouette. Oh mon dieu! Il s'est passé quoi? Merde, il est où le fusil? Il faut qu'on se tire. Non, oh, mais ça valait le coup de lui donner le fusil, putain. Se cacher. Courir? Bah non, il est à moitié en... Vite. Il est vraiment blessé, hein. Ouais. Il est vraiment blessé d'un coup. Non, c'est ce moment-là, non, c'est bien ce moment-là qu'il faut appuyer. Wow, ça revient au même que courir, hein. Ah, tu vois, c'est bien ce moment. En fait, si je me serais retenu l'aspiration, j'aurais été bloqué par l'escalier, tu vois. Dans le local radio. Oh ouais, en fait, c'était même une vraie station de radio avant. Enfin, je veux dire, c'est toujours le cas techniquement, mais plus personne apporte sa radio au camp de nos jours. Ouais. C'est bizarre en fait de se dire qu'avant, il y avait des gamins avec leur radio et leur lecteur CD et tout ça. Alors qu'aujourd'hui, on a tout sur le portable. Mais Monsieur Hackett le confisque le premier jour de la colo pour qu'on soit pas distrait par la technologie. La technologie, elle a des bons et des mauvais côtés. Alors c'est un truc que t'aurais vraiment envie de faire? Toujours au bien. La radio, la colo? Non, genre DJ, la musique, je sais pas. Oh, j'aime bien la musique, mais je crois que je veux étudier la physique quantique. Rappelle-toi avec Emma, on est revenu en arrière, il y avait une carte. Ouais. Attends, sérieux? Ouais. T'as pas vraiment une tête de fan de science. Ah ouais, c'est sûr, c'est sûr. Pas ici. Il y avait pas une touche qui faisait briller le truc. Non.
suppose que c'est le premier loup. Ah mais on revient là, ça se trouve, la peluche qu'on a laissée va nous sauver la vie. Je suis désolé, mais cette conversation me fascine. Si, il fait du bruit. Comment ça, pas ici? Je sais pas. Pas ici, au... camp. Je fais ça chez moi. Et ici, je... Tu joues au con et tu fais des blagues pourries. Je l'aurais pas dit comme ça. Ça va se pécho. Dans okay, une cabane. Peut-être que j'étais un peu ah non, stressé ça va quand je suis arrivé dans ce nouveau contexte social. Et j'ai compensé un petit peu en faisant des blagues. Je veux dire, ça va se pécho, mais non, ça va se transformer une main. Ouais, et puis tout le monde a apprécié le personnage de Dylan le Blasé. Et toi, tu l'aimes bien, Dylan le Blasé, franchement? Ouais, enfin, je sais pas trop, mec. C'est cool. C'est toujours ensemble les deux, en fait, si j'en ai remarqué. J'aime bien Dylan. Bon, enchanté de te connaître, Dylan. Moi, c'est Ryan. En fait, c'est plutôt Ryan, foutons le camp d'ici. Ouais, je l'aime bien celui-là, on sent qu'il réfléchit. C'est le truc. Ah oui, on est revenu là. Vraiment, qui s'appelle Diesel? Mais du coup, on va peut-être revoir la carte. Ah bah non. Ah, qu'est-ce que c'est que cette saloperie vaudou? T'as raison, si, ça. C'est pas non plus une mauvaise carte. Là, je t'avoue que. Il y a eu un mini coup de flip. Ah, je me discute pas, petit. D'habitude, c'est toi qui me fais flipper. On est mort, oui. On est à une carte, c'est bon. Qu'est-ce que tu veux trouver de plus que ce qu'on a déjà pris la dernière fois, de toute façon? À côté ici. On sort la diapositive. Parce que là, on voit une station radio. Je me rappelle pas d'avoir fouillé. On a fouillé toutes les maisons en cercle, mais pas là. Est-ce qu'on pouvait pas? Ouais. Ah. Bah, hey. J'ai failli me faire baiser. Ah non, vas-y, on arrête de fouiller. Bien sûr, mon cul. Mais du coup, là, t'en as déjà deux, du coup, c'est bon. Bah, tiens, on va prendre ça. Tiens, des preuves. On a oublié une preuve. Mais pareil, est-ce que c'était une preuve où il y avait Jacob qu'on jouait? Voilà. Une photo floue en gros plan prise par Emma lorsque elle s'est fait attaquer par la cabane, ok. De grandes marques de griffures dans le mur. Excuse-moi. Et quant à. Ah oui, non, c'est vrai que c'est pas ouf la photo. Chemin. Ah.
attends, t'es en train de me dire que Abby a choisi de laisser le jouet ou bien le cabanon. Donc du coup, elle le range dans son sac. Et Abby a laissé son sac à dos dans la cuisine du chalet. Donc ça veut dire que la peluche aurait dû se retrouver dans la cuisine. Mmh. Je te promets, Emma. Si dans la cuisine on meurt parce qu'il nous manque un truc. Je sais pas à quoi pourrait nous servir la peluche, mais à faire diversion à mon avis vu qu'il fait du bruit. C'est ta faute. On est d'accord ? Ok. Et la faute de Mathias et de l'apprentis. Là, il est personne. Il est toujours là-bas. Attends, et Emma, elle est où ? Alors, chien, Abby, Kathleen, Nick, dans le chalet. Cabanon, Dylan, Ryan. Épicerie, personne, personne, personne. Jacob. Jacob, il est. Voilà quoi. Wesh. Eh, on sait pas qu'elle a. Ah oui, c'est vrai, c'est le tarot qu'on a oublié. Et donc, on a oublié. Ah ouais, tiens, la force qu'on a eu après. Eh ben, tu sais quoi, des fois, je me demande si on sait pas l'autre. Si tu prends l'autre chemin, t'as pas l'autre tarot en montant les escaliers. Du coup, forcément, t'en rates un des deux. Mais du coup, ouais, c'était au chapitre. Et là, sinon. Donc, moi, je voilà, mon avis, c'est qu'on a récupéré le magicien en premier. On avait récupéré la force après. Donc, dans le chemin en bas. Donc, ça devait être une carte dans le chemin d'en haut. C'était au tout début. Avec Emma. Non, dans le chapitre 3 avec... Magicien. Ah oui, avec Abby que t'avais dit qu'on avait raté. Ouais. Merde, fait chier. Donc on a raté avec Abby. Putain, tu vois, le seul moment que je me dis, ouah, ça fait chier couiller, tu vois. C'est bon ? Oui. C'est bon. Normalement, quand il y a ce genre de message, ça veut dire qu'il y a vraiment des trucs à récupérer. Mmh. Wow, c'est vraiment un taudis ce truc, hein. Ok, quand j'étais gamin en colo, c'était presque HS. Ça avait pas servi depuis des années et permets-moi de te dire que j'ai passé un temps fou à tout nettoyer dans le local et... à tout remettre en état, alors je suis désolé si c'est pas à ton goût, mais je me suis vraiment donné du mal. Ok, ok. Je vais allumer ça. Ok. Un de ces trucs pourrait nous être utile ? Les outils, là ? Non. C'est Monsieur H qui voulait un espace de stockage, alors c'est un peu pour ça qu'il m'a laissé... gérer la station. Ok. Alors, ça porte jusqu'où ? Oh, elle a été conçue juste pour diffuser des annonces sur la sono du camp et aussi, tu sais, sur les radios des moniteurs et des gamins. Ça doit porter à environ 2 km ? Ouais, donc, le camp, quoi. Intéressé. Comment tu sais tous ces trucs ? J'ai appris tout seul, en bidouillant. Tous ces trucs techniques, ça a jamais été mon rayon. J'y connais rien dans le domaine. Ben, si tu veux, je peux t'expliquer un peu. Me donner un cours ? Ouais, c'est facile, comme l'escalade. Alors ça marche, prof. En tout cas, ce truc va avoir besoin d'un petit coup de jus, et c'est à ça que sert ce machin-là. Attrape poussière. Bah, c'est censé amplifier le signal. Il a l'air un peu merdique, je sais, mais... ça vaut le coup d'essayer. Alors, on va pouvoir parler aux gens avec ce truc ? Ouais, enfin, c'est pas bidirectionnel. Donc, en fait, ouais, on peut parler. Mais tout ce qu'on peut faire après, c'est... passer en réception pour voir si quelqu'un essaie de nous envoyer une réponse. C'est peu probable, mais... Ouais, enfin, c'est déjà ça, je suppose. Ouais. Bon, qu'est-ce que je pourrais dire ? Je sais pas.
Faut que ça ait l'air urgent. Ok. Salut! Alors, comment ça va chez vous? Ici, on a besoin d'aide. On est des moniteurs du camp de vacances de Hackett's Quarry. Et il y a eu un accident horrible, une attaque terrible. Il se passe des trucs très 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 graves. Non, vraiment, hein. On a besoin d'aide. Il y a un essaim d'ours et ils sont vraiment partout. Et il y a aussi des chasseurs cinglés qui tirent apparemment sur les ours, mais aussi sur nous, ce qui n'est pas très normal. Et on a des copains blessés et on a vraiment besoin d'aide parce que c'est des ours super méchants et du coup, on ne sait pas trop quoi faire. Alors, s'il vous plaît, venez nous aider, SOS. Ceci est une urgence particulièrement urgente. Alors, venez vite et aidez-nous. C'était bien ou pas? Non. Un essaim d'ours. Ouais. C'est pas un essaim. Ben, ils étaient plusieurs, mais... Oh, j'hallucine. Ok, bon, ben, on va essayer de passer en mode réception pour voir si on capte un message. Ok, je vais surveiller un peu pendant que tu fais tes trucs de geek. Ok, ouais, d'accord. Génial! Une bestiole! Attends, je me prépare. Il panique pas? Viens voir. J'ai reçu un signal radio, mais pas de réponse. Je vais aller voir. Quoi? Il a parlé du chalet? Les autres moniteurs. Je sais pas, attends. Deux hommes dans le local radio près des cabanons. Et deux autres personnes pour l'instant introuvables. Oh putain, il parle de nous. Merde, merde, merde. C'est quoi ce délire, putain? Mais que comment? Parce qu'on vient de leur dire. Sur cette putain de radio. Merde. C'est le vieux chasseur, on a entendu. Ils savent où on est, putain. On peut pas rester là. Merde, merde. Hey, faut qu'on reste calme, ok? On va aller chercher Caitlin et les autres, d'accord? D'accord, ouais. D'accord. Premier lieu que t'as un truc. Ah, merde, ah merde. Pourquoi tu m'as pas dit qu'il y avait quelque chose dehors? La gueule du mec. Je vais un peu. Il est pas très ratif sur le mec, hein. J'étais pas sûr, mec. Merde, c'était quoi ça? J'en ai aucune idée. Ryan? C'est un ours. Il y a des problèmes de dialogue. Comment il a pu me merder ça? Oh bah là c'est sûr que c'est lui, hein. C'est pas Jacob, hein. Faire un trou dans le truc et après il va pouvoir. T'as tiré? Oui. C'était quoi? C'est quoi? Pour me faire peur. Ça marchait de ta. Non, c'était déjà comme tout à l'heure. Merde. Quoi? Caitlin, Abby et Nick, ils arrivent sur le chemin. Oh merde. Ils viennent vers nous. Il faut qu'on les prévienne. Avec la sono. Là-haut? Ouais, ok. Ouais, on peut leur dire de se cacher. Ouais. Tiens le bouton. Caitlin, planquez-vous tout de suite, ne venez pas ici. Il y a une bête vers le local radio, rentrez. Allez dans. Ils vont se cacher là où on a. Ils vont se cacher là où on a défoncé la porte. Oh merde, putain. Bah tant mieux. Ils sont partis. Bah non, parce que sinon la porte était fermée. Il y a le petit jour. Oui. Oui. Oui.
faire la plus et qui peut te sauver la vie, mais tu sais pas pourquoi. Et maintenant... C'est peut-être, pour... peut-être une bonne raison de la laisser là-bas. Non, on peut pas le tuer. On sait pas. Il faut qu'on le tue. C'est pas un animal comme les autres. Je crois pas qu'un fusil va suffire. Meilleure idée. Si cette bestiole entend comme un chien, eh ben on pourrait passer un son de l'arsène super aigu dans la sono et mettre le son à fond et ça nous défoncera les oreilles, mais... Ok, on fait ça, le truc du l'arsène. Ça marche. C'est parti. Allez. C'est ouf, la bestiole elle casse pas la fenêtre. Calme. Ouais, calme. Hey, Dylan, respire. Détends-toi, je suis sûr que tu peux y arriver. Ok, bon. Je sais pas, il doit manquer quelque chose, mais... Il manque quoi ? Oh merde. Il a arraché le fil. Remets-le. Je te couvre. Maintenant, vite, vas-y. Non parce que le chasseur s'est coupé, c'est un truc qui se propage vraiment en plus. On a vu une vision avec la tronçonneuse parce que fusil à pompe, je pense pas que ça être cool. On va plus discuter sur autre chose. Là on va pouvoir couper la tête. Chope le fil, quoi ? Chope le fil. Tiens, le succès nous spoil. Ok, bon, je le... C'est bon, le succès nous a spoilé d'une affection. Appuie fort. Comment ça va, des couilles, mec ? Oui. Je fais quoi ? Le bouton. On a pété le haut-parleur. Ça a marché. Bravo, Dylan. T'es arrêté de manger. Un truc comme ça, normalement, tu t'es arrêté. Merde, maman. Ok, mortel. Accroche-toi. Pourquoi t'as fait ça? Tu m'as dit de le faire. Oh, putain, t'étais une idée de merde. Ça plus sert à rien. On peut sortir. L'autre il est infecté. C'est pas si amputé. Oui. Pour le moment. Je crois que c'est bon pour l'instant. On est tombé sur un de ces chasseurs. Bonhomme. Ah merde. On s'est enfui pour lui échapper. Je crois qu'on l'a semé en venant ici.
Le message est parti? Ouais, je crois. Super. Qu'est-ce qui vient de se passer? Bordel, Dylan! Il s'est passé quoi? Oh, je vais bien, enfin... pas vraiment. Mais ça fait plus mal. Et en état de choc. Putain, c'est pas vrai! C'est cette chose qui a fait ça? Non. Enfin, si on veut, il... Kathleen, il est où ton fusil? Je l'ai perdu. Un des gars du coin est passé nous voir. Putain, quoi? Elle nous a tiré dessus? Qui est là? Je l'ai reconnu. C'était qui? Est-ce qu'on la suit? Mais attends, pourquoi non? C'est pas la fille que... Bah si, du début. J'ai reconnu son visage. Là, c'est une guerrière, là. Ouais. Oh, la fameuse... Après, j'ai surtout reconnu... à son œil. Enfin, c'est son visage. Mais merde, c'est quoi ça? Oh mon Dieu! Pourquoi t'as pris des caméras pour entendre une décide? Je ne sais pas. J'étais même pas au courant. Attends, on a déjà fini. Ils sont plus en plus courts les chapitres là. Foutez de ma gueule. Bon, d'un côté, on n'a pas joué Jacob. Pauvre Jacob. Pas de... Travaille pas demain. Oui, mais après. Donc on a encore du temps. On continue? Je sais pas. Après, c'est une batterie. Et alors? On a fait combien de chapitres? Oh, c'est fou. On arrive au 6, je crois. Apparemment, il y a une vermine de moins dans le monde. Ah, on parle de Jacob. Regardons encore une fois. Comment ça, une fois? Le diable. Par contre, rapproche pas le micro. Sans restriction, telle une ombre arrachée à notre vulgaire enveloppe charnelle. Observez bien et agissez avant que le démon soit libéré. Moi, je suis pour le démon, moi. En abrite. Même ceux dont le cœur est pur et qui récitent bien sagement leurs prières le soir venu. L'ermite. Étrange. Cette carte ne recèle pas le futur. Mais je sens un passé qui m'appelle en elle. Flashback? Je veux vous montrer davantage. Bon, je suis pour démon. Qu'est-ce que vous en dites? Après, l'ermite, ça... De base, la carte, ça... J'ai deux autres visions pour vous. Le diable, un futur potentiel. L'ermite, ça montre un chemin. Et l'ermite, un passé prédéterminé. Faites votre choix. On m'en fout. Diable. C'est mieux le futur que... Ouais. Nous passons tellement de temps à attendre le futur que nous en oublions que le passé recèle aussi des secrets. Bye bye. C'est une leçon importante. Non, c'est Nick. Ainsi donc, nous nous quittons à nouveau. Je reste ici. Je vous attendrai. Nick qui se transforme et qui tue Abby? Ouais. Bah, il lui a carrément bouffé la tête. Arraché la tête. Déchiqueté. Et du coup, là, c'est Emma. Purement. Attends, on va changer d'ordinateur.